Le riz est l'une des principales cultures alimentaires en Afrique de l'Ouest. Au moins 4 millions d'hectares de riz sont cultivés chaque année par environ 20 millions de riziculteurs en Afrique de l'Ouest, en majorité des femmes. Pour un tiers de la population du continent africain, la consommation du riz est élevée. Le riz n'est plus une culture commerciale, mais de plus en plus une nourriture de base pour les communautés urbaines et rurales. Bien que le riz soit très nourrissant, une bonne partie de ces nutriments est perdue lorsqu'il est mal transformé. Ceci résulte de la mauvaise qualité de riz sur le marché, amenant les consommateurs à se retourner vers le riz importé. Dans ce module, nous allons apprendre sur l'étuvage du riz, une technique d'améliorer la qualité du riz en traitant le paddy avec de l'eau chaude et de la vapeur. Mais avant tout cela, voyons d'abord quelques avantages du riz étuvé. Le processus d'étuvage permet de débarrasser le paddy de toute impureté, pierre, sable, brindilles, grains immatures et paddy avorté. Le riz obtenu est donc propre, ce qui facilite sa préparation et sa cuisson. Le riz étuvé gonfle après cuisson et c'est plus doux à manger. La plupart des consommateurs préfèrent le riz entier. En étuvant, vous pouvez réduire le taux de brisure du riz. L'avantage le plus important de l'étuvage est qu'il limite la perte des nutriments. Plusieurs types d'étuveuses sont disponibles. En voici quelques-unes. Leur capacité varie entre 50 et 200 kg de paddy par chargement et elle coûte entre 50 et 200 000 francs CFA. Leur principe de fonctionnement est le même. Maintenant que nous connaissons les avantages du riz étuvé, voyons à présent comment étuver du riz. Le matériel suivant est requis pour l'étuvage. Foyer, marmite, étuveuse, eau propre, bois de chauffage, bâche, récipient pour le lavage, bâton propre pour remuer, panier pour égoutter et bien sûr du paddy. Puisque nous souhaitons obtenir un riz propre, nous commençons par débarrasser le paddy de toute impureté. Pierre, sable, brindilles, graines immatures et les grains d'autres cultures. Versez ensuite le paddy dans un récipient contenant de l'eau. Assurez-vous que le paddy est submergé. Lavez et remuez bien le paddy jusqu'à ce que les particules légères flottent. Nous enlevons alors toutes les matières flottantes. Enlevons toute la matière qui flotte. Nous égouttons, ajoutons de l'eau propre et puis reprenons le lavage du paddy. Enlevez toute la matière qui flotte. Répétez cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus de matière flottante. Lorsque le paddy est bien propre, réduisez l'eau de moitié. Ensuite, enlevez le paddy attentivement du récipient, tout en vous assurant que les cailloux et les saletés sont séparés du paddy. Le paddy, bien propre, est maintenant versé dans la marmite préalablement remplie d'eau. La marmite est à présent portée au feu.
Remuez de temps en temps. Tout en chauffant, vérifiez la température de l'eau. Les femmes du sud du Bénin utilisent leurs doigts pour vérifier cette température. Lorsque l'eau devient chaude, au point qu'elles ne puissent plus y plonger leurs doigts, alors elles enlèvent la marmite du feu. Il est important de s'assurer que l'eau ne boue pas, sinon le paddy sera cuit. Si vous avez besoin de la marmite pour d'autres activités, vous pouvez transférer le paddy et l'eau chaude dans un autre récipient. Laissez le paddy se refroidir dans l'eau toute la nuit. Il doit être toujours immergé dans l'eau. Après refroidissement, enlevez toute la matière flottante et égouttez le paddy à l'aide d'un panier propre. Maintenant, nous allons utiliser l'étuveuse pour passer le paddy préalablement trempé à la vapeur. Pour ce faire, mettez la marmite au feu et versez-y une quantité d'eau. Mettez l'étuveuse au-dessus de la marmite. Il est très important que la base de l'étuveuse ne touche pas l'eau. Écoutons à présent une transformatrice de riz dans un village du sud du Bénin pour savoir pourquoi cela est important. Si le fond du bac touche l'eau, elle y pénètre et le paddy sera gorgé d'eau. Mettez le riz égoutté dans l'étuveuse. Comme vous le constatez, les femmes de cette localité n'étuvent qu'une petite quantité de paddy. Si vous traitez de grandes quantités de paddy, alors assurez-vous de laisser un espace en haut pour permettre au paddy de gonfler. Couvrez le paddy avec un sac et mettez le couvercle. Scellez l'espace entre la marmite et l'étuveuse avec un morceau de tissu propre pour empêcher la vapeur de s'échapper de la marmite. C'est la vapeur qui étuve le paddy. Au bout de 30 minutes, vérifiez le paddy. L'étuvage est interrompu lorsque la majorité des balles de la couche superficielle sont ouvertes. Quand le riz est sur le feu et nous regardons, à un moment, on voit la vapeur sortie par le rond pour un certain temps. Nous ouvrons alors et nous regardons. Quand on constate l'éclatement des balles, on sait que c'est prêt et on le vide. À présent, enlevons attentivement le paddy de l'étuveuse. Un bon séchage garantira la qualité du riz. Pour éviter d'incorporer des impuretés, il est recommandé de sécher le paddy étuvé sur sol cimenté. Une bâche, des sacs cousus étalés ou toute autre surface bien propre. Évitez de sécher le paddy au soleil chaud pendant longtemps parce que les grains peuvent craquer, comme c'est le cas des marmites en argile ou en terre qui sèchent trop vite. Continuez alors de sécher sur une bâche à l'ombre et remuez le paddy de temps en temps. Dans beaucoup de pays, les femmes ont développé leur propre méthode pour tester la teneur en eau du paddy séché. Le décortiquage du paddy étuvé est plus facile parce qu'il ne contient pas de cailloux, de grains vides et autres impuretés. Un autre avantage de l'étuvage est la réduction du taux de brisure au décortiquage. Écoutons plutôt l'opinion de quelques personnes habituées à l'étuvage.
Le riz étuvé est meilleur car il ne se brise pas et c'est bon à voir. Je préfère décortiquer le riz étuvé. On constate que le riz étuvé sort en entier. Il n'y a pas beaucoup de farine et c'est très agréable. Le riz étuvé gonfle bien à la cuisson. Il gonfle mieux que le riz ordinaire que nous avons l'habitude de manger. Il y a beaucoup de bonnes raisons d'étuver le riz. Le marché pour le riz de qualité croît. Les vendeurs de nourriture et les restaurateurs commencent à utiliser le riz étuvé parce qu'il est déjà propre et facile à préparer. Les consommateurs apprécient le riz étuvé parce qu'il passe peu de temps pour le trier. Très peu de grains sont brisés et il est plus nourrissant pour toute la famille.